Drame dans le village Kénéko, à une dizaine de kilomètres de Gourssi. Quatre membres d'une même famille sont décédés, probablement suite à une intoxication alimentaire. C'est après avoir consommé les repas du soir que des troubles digestifs et vomissements sont apparus. Une personne est morte sur place et les trois autres au centre médical de Gourssi. Une cinquième personne qui a aussi consommé ce repas est dans un état critique. Irénée Kabore, Herman Nestor Towé. C'est un mercredi noir pour la famille Ouédraogo à Kénéko, village situé dans la commune rurale de Bassi, dans le Zondoma. Quatre membres de cette famille ont perdu la vie après avoir consommé leur repas du jour. La sauce de boulevard, là, c'est ça qu'ils ont mangé, avec tout de petits mille. C'était ces nourritures-là qu'ils ont mangé dans la journée. Il y avait un restant, ils ont pris ça la nuit encore, chauffé et puis mangé. Donc c'est après ça maintenant qu'il y a eu la déclaration. Le petit frère, lui, quand il s'est levé, lui, il a dit sincèrement que, sauf que la maman a préparé, sincèrement, il dit ça va pas. Parce que quand lui l'a mangé, son ventre le fait mal. Son grand frère aussi a trouvé le petit frère de notre papa ici. Il lui a parlé que sauf que leur maman a préparé, là, sincèrement, aujourd'hui, ça va pas. Après avoir été évacué au centre médical de Gourssi dans un état comateux, Alidou Ouédraogo, sa femme et son fils de 2 ans y ont rendu l'âme. Quatre patients présentent le même tableau. Ils sont venus dans un tableau de vomissement, de convulsions, de diarrhée. À travers l'interrogatoire avec les accompagnants, voilà, donc on pense beaucoup plus à une intoxication alimentaire. Moussa Ouédraogo, le seul rescapé parmi les cinq ayant consommé de ce repas, est toujours dans un état de lamentation. Et pour Dr Ouédraogo, il faudra encore attendre les résultats de l'analyse pour connaître la cause réelle de ce drame. Aux dernières nouvelles, le cinquième membre de la famille qui était dans un état critique est...